l'homonyme fasciste, le génocide de la clique Pol Pot Yensari, valet de Pékin, a été renversé par le peuple kampuchien. Depuis le 7 janvier 1979, le peuple kampuchien a entièrement pris en main son destin. Le référendum présente la situation au Kampuchea depuis avril 1975 dans son contexte local et dans le contexte global de la stratégie expansionniste et hégémonique de Pékin, ainsi que dans ses perspectives. De son côté, la République populaire du Kampuchea a déclaré dans son télégramme adressé le 21 septembre à l'ONU et dans la déclaration qu'elle vient de publier le 10 novembre, dans ces déclarations, dans ce télégramme et déclaration, la République populaire du Kampuchea a déclaré ce qui suit. Il n'y a pas de soi-disant problème de la situation au Kampuchea. Le régime mention ouverte dans les affaires intérieures du peuple kampuchien. Toute résolution ayant trait au Kampuchea issue de tels débats est illégale et dépourvue de toute valeur. La République socialiste du Vietnam soutient entièrement cette juste position, permettant en tant que nation. Le régime de Pol Pot Yensari, dès lors qu'il eut commencé sa politique de génocide contre le peuple kampuchien, politique qui a envoyé à la mort plus de 3 millions de Kampuchiens sauf facto illégal, on est le Conseil populaire révolutionnaire qui contrôle effectivement le pays et qui gère les affaires intérieures et extérieures du Kampuchea. Deuxième, les affaires intérieures du Kampuchea par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. Troisièmement, l'intégrité territoriale de son pays menacée par l'action criminelle des expansionnistes de Pékin et des impérialistes et réactionnaires qui cherchent à restaurer au Kampuchea le régime Pol Pot. Persécutant le Laos et le Kampuchea afin d'en faire le tremplin sur la mainmise de Pékin sur toute l'Asie du Sud-Est. Encore une fois, j'appelle l'opinion à la vigilance et je vous demande de nous aider à alerter l'opinion de ce grave danger pour la paix et la stabilité de la région. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions et réponses. Parce que le Vietnam a tout fait, non seulement pour mettre un terme à ce cauchemar du peuple kampuchien, et le régime de Pol Pot a été aussi une honte pour l'humanité tout entière. Alors, dans les conditions de notre économie, vraiment, plus de 100 milliers de tonnes de vivres accordées au peuple kampuchien ont été prélevés, comme j'ai dit une fois la dernière fois, sur le bon de riz quotidien de chaque Vietnamien. Dire le contraire et affirmer que nous détournons les aides internationales, c'est vraiment offensant. L'intervention des expansionnistes de Pékin et des forces impérialistes et réactionnaires n'existera plus dès que le peuple kampuchien et le Conseil populaire révolutionnaire du Kampuchea le demanderont. À ce moment-là, les forces armées vietnamiennes se retireront immédiatement au Vietnam. Tout comme les deux autres fois, elles se sont retirées de leur plein gré après avoir accompli leur devoir internationaliste. Voilà, c'est dit dans le mémorandum. Je me permets d'ajouter aussi que les troupes vietnamiennes ont été déjà avant dans l'histoire à deux reprises au Cambodge. Et cela, tout juste pour faire notre devoir internationaliste pendant les deux résistances précédentes du peuple kampuchien. Et comme vous le savez, l'histoire a fait que tous les agresseurs du Vietnam ont fait des trois pays d'Indochine le même champ de bataille. C'est pourquoi, pour la survie de chacun des peuples, les trois peuples ont été amenés à se solidariser sur tous les plans pour pouvoir reconquérir l'indépendance respective de chaque pays
et d'autre part pour pouvoir défendre cette indépendance. En ce qui concerne le Vietnam, nous avons apporté de l'aide au peuple Lao et Campuchien déjà à deux reprises. Cette fois-ci, nous sommes amenés à envoyer nos troupes au Campuchien, comme je viens de vous dire. C'est d'une part pour pouvoir aider ce peuple à refaire leur vie et à s'opposer aux menées criminelles de Pékin et des impérialistes. Mais d'autre part, en ce qui concerne